Marie, si tu écoutes ceci, c'est que tu as reçu mes lettres. Je prie de toutes mes forces pour que tu sois bien portante. Et que la puissance de feu des forces alliées te soutient. J'ai tant à te raconter, tant à te dire. Je dois t'avouer que j'avais tort, complètement tort, à propos du Reich, à propos de toi. J'avais tort sur toute la ligne. Après mon retour, quand j'ai dû reprendre l'atelier de papa, j'étais en colère. J'étais furieux. Non seulement j'avais dû abandonner mes études à Heidelberg pour m'occuper de papa, mais en plus, mon mentor et idole, le professeur Lennard, l'homme qui incarnait la Deutsche Physik, avait pris sa retraite en mon absence. Mon rêve de jouer un rôle dans la renaissance scientifique allemande a été brisé. J'ai perdu espoir. Ce fut une période difficile. Je sais que nos disputes ont été épouvantables. Nous nous sommes dit des choses que nous ne pensions pas. J'étais convaincu que le parti nazi offrirait à notre peuple un avenir radieux. Et toi, tu n'y voyais que de l'obscurité. Tu étais bien plus lucide que moi. Je ne t'en veux pas d'être parti. Je ne te reprocherai pas ton silence. Tu m'avais dit vouloir fuir le pays, que tu avais des relations à Cambridge, et que tu comptais rejoindre les services secrets britanniques. Tes objectifs ont toujours été limpides, alors que les miens avaient été anéantis. Si je t'explique tout ça, c'est pour que tu comprennes la suite. Marie, j'ai pleuré quand ils l'ont trouvé. Lorsque les ouvriers sont ressortis de la mine en parlant de leur découverte, cet artefact de légende, c'était là la raison de ma présence, mon but ultime. Offrir la puissante épée du conquérant à notre Führer. Ma vie retrouvait enfin un sens. C'est moi qui ai prévenu les nazis. Mon contact à l'université m'a mis en relation avec Richard Darry. À partir de là, ça n'a plus été qu'une question de jours avant que Lannen Herb ne débarque avec des soldats. J'ai moi-même mené le docteur Straub jusqu'à la chapelle. C'est moi qui lui ai montré la poignée de l'épée de Barbarousse. C'est comme si j'avais approché une flamme d'un baril de poudre. À la demande de Straub, Mittelburg a été bouclé. Notre petit village était une couverture idéale. Les habitants menaient leur vie comme d'habitude, mais ils n'avaient pas le droit de s'en aller. Leur courrier était lu, brûlé, ou encore réécrit. Ceux qui posaient des questions étaient abattus. C'est à ce moment-là que le doute a commencé à m'envahir. La mine de sel a été transformée en laboratoire. Le morceau d'épée, la fameuse poignée, ne devait pas bouger de son emplacement. L'officier à la tête des soldats, le Gruppenführer Heinz Richter, était foudrage. Quant au docteur Straub, il faisait tout ce qu'il pouvait pour l'empêcher de faire sauter la chapelle. Ces deux-là, un duo vraiment destructeur. J'avais tout fait pour que le docteur Straub remarque mon zèle et mon ambition. J'étais certain qu'il allait comprendre que c'était le destin qui m'avait placé au bon endroit, au bon moment. Je lui ai confié mes recherches, certaines découvertes que j'avais faites avec Lennard. Mais il m'a écarté avec mépris. Il m'a dit que c'était un travail d'amateur, incomplet et mal documenté. Mais comme je connaissais bien la zone, il a estimé que j'allais sûrement pouvoir lui être utile. Et moi, idiot que j'étais, je l'en ai remercié. Il connaissait notre père, Marie. Il avait entendu parler des armes conçues par lui, qui avaient aidé la Kaiserliche Marine. Mais il s'est moqué. Il s'est moqué du génial Heinz Fischer, qui avait terminé sa vie en créant des jouets. Je n'ai pas voulu lui dire que notre père avait choisi ce métier en pénitence, pour apporter de la joie, et non plus la mort. J'aurais dû écouter papa. J'aurais dû l'écouter. Ils ont fait des choses terribles ici. Des choses monstrueuses. Straub est complètement tordu, il est totalement fasciné par le dernier Reich, à tel point que plus rien d'autre n'a d'importance. Rien ne l'arrêtera, Marie. Straub était obsédé par la poignée et par son étrange enracinement au cœur de la montagne. Richter, lui, avait pour seul objectif de la transformer en arme. Depuis le début, ce différend les opposait. Ce conflit a fini par tout ruiner, mais ce fut aussi pour moi une lueur d'espoir. En réalité, Straub était tellement pris par ses recherches qu'il pouvait passer à côté d'informations cruciales alors qu'elles se trouvaient juste sous ses yeux. Ainsi, la chapelle était en fait bien plus qu'une pièce d'apparat pour l'épée légendaire de l'Empereur. C'était l'illustration de ce que notre père nous a toujours expliqué, Marie. L'art raconte une histoire,
et toutes les gravures et les statues de la chapelle renfermaient une histoire que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais tout cela va bien au-delà d'un simple trésor enfoui. J'ai découvert des éléments qui expliquent pourquoi l'épée a été brisée, pourquoi elle a été cachée, pourquoi il a fallu la faire disparaître. Il est question de forces qui dépassent l'histoire officielle, des forces cachées, un secret bien plus sombre que tout ce que Herr Himmler se plaît à imaginer. Hélas, Straub est tombé sur certaines de mes notes concernant ces éventualités. Il s'est mis hors de lui, et il ne s'est calmé que lorsque je lui ai rappelé ses propos. Mon travail était celui d'un amateur, incomplet et mal documenté. Il me fallait davantage de preuves. Il a tourné les talons. Peu après, il s'est mis à rapporter des œuvres d'art volées dans le bunker. Il s'était emparé de ma découverte, et il comptait bien aller jusqu'au bout. Si Straub avait accepté de travailler avec moi, j'aurais pu chercher en quoi cette œuvre d'art contenait des indices nous permettant de libérer la poignée. Mais non. Pour lui, l'information est une arme. Il ne fait confiance à personne, à part lui-même. C'est ça, sa plus grande faiblesse. Marie, je ne pourrais pas te le dire plus clairement. Il existe d'autres forces qui savent pour l'épée, qui sont au courant de son pouvoir, et ces forces vont tout faire pour nous empêcher de la trouver. Il s'agit d'une organisation secrète, d'une cabale qui s'assure que personne n'apprenne sa présence. Des soldats, des artistes, des ingénieurs, je ne sais jusqu'où cela remonte, mais Straub sait à présent, et toi aussi, tu dois savoir. D'abord, tu devrais commencer par chercher des tableaux créés par des opposants au parti nazi. Ce sont certainement ceux qui étaient les plus simples à convaincre de participer à cette aventure. Et mes recherches ont montré que tout ceci va bien au-delà de Mittelbourg, bien au-delà de l'Allemagne. Marie, tu devrais commencer à faire tes bagages. C'est tout ce que je peux te dire. Straub se méfie de moi un peu plus chaque jour. Ma chère sœur, j'ai consacré tout mon temps à trouver un moyen pour que tu puisses vaincre Straub et sa folie. J'ai saboté son travail. J'ai dissimulé des armes et des outils qui te permettront d'affronter les horreurs qui se répandent sous la montagne. J'espère seulement que, d'une manière ou d'une autre, tu accepteras de me pardonner. Il faut que je me cache à présent. Je suis sur le point de libérer l'arme la plus puissante de Straub. Je ne peux pas te promettre que je survivrai à ce qui nous attend. Mais j'espère de tout cœur que cela vous permettra d'affronter ce cauchemar. Et si c'est le cas, je suis convaincu que tu seras à la hauteur. C'est dans ta nature. J'ai toujours admiré ta force. Je t'aime, Marie. Fais attention à toi. Un vide zen. Le Führer nous a demandé quelque chose de vraiment exceptionnel. Un soldat qui ne se repose pas. Un soldat qui n'a peur de rien. Un soldat prêt à s'aventurer au-devant de la mort. J'ai trouvé ce soldat. Ou plus exactement, pour être plus précis, je lui ai donné naissance. Mais revenons d'abord un peu en arrière. Je commençais à désespérer que nous puissions jamais trouver des artefacts de grande importance. Et puis, la providence divine, la découverte de toute une vie, la poignée de l'épée légendaire du Saint-Empereur romain germanique, Frédéric Barberousse, l'incarnation de la noblesse allemande. De sa puissance, mais la Nenerbe est venue reprendre la poignée pour la collection personnelle d'Hitler. Et elle n'a pas bougé. Avec des chaînes, des tracteurs, rien. Si la montagne ne vient pas, j'ai tout apporté à la montagne. Mes outils, mes hommes, l'expert des armes en chef de la Wehrmacht, Gruppenführer Heinz Richter. Qui aurait pu croire que nous allions bientôt trouver quelque chose qui allait changer notre compréhension de ce monde? Même sans avoir percé le champ magnétique qui entoure cette poignée, nous avons été en mesure de siphonner une immense quantité d'énergie.
et c'est là que j'ai fait la plus grande de mes découvertes. Au cours de l'une de mes premières expériences, pour exploiter l'énergie de la poignée, un câble a subi une surchauffe et lâché. Il a frappé deux gardes abattus sur le coup. Ils sont morts, mais juste pour un instant. J'ai vu le premier soldat pris de spasmes, très violent. Et puis, il a commencé à marcher vers moi. Et son intention était claire. Il voulait me tuer. Par chance, d'autres soldats sont vite arrivés et ont pu le neutraliser. Cependant, j'avais vu une scène stupéfiante. J'avais vu la mort vaincue. Et j'avais eu une vision de l'avenir pour notre Führer. Geistkraft, c'est le nom que j'ai donné à cette forme d'énergie. Elle peut être conduite via le système nerveux humain, activant les zones les plus primitives du cervelet humain. Les Untoten sont préservés par la même énergie qui les anime. Ce sont des machines, des muscles et des os qui sont mus par une loyauté pour leur maître. J'ai compris qu'en actionnant les récepteurs de la douleur sur ces cadavres, je pouvais augmenter leur force et leur vitesse. Et comme il se trouve que j'ai largement étudié les effets de la douleur, c'était enthousiasmant. J'ai enfin trouvé un but. Je vais plonger ce monde dans la souffrance. J'ai été trahi. Klaus a saboté mon travail depuis le début. Il paiera. Et ce salaud de Richter, celui qu'on envoie pour m'aider, pour protéger toute la zone, il est obsédé par la puissance des armes que nous pouvons créer grâce à l'énergie Geistkraft. Les Untoten se sont libérés 5 fois déjà. Et nous sommes enfin si près du but! À deux doigts de bâtir une armée! Et que se passera-t-il quand leurs blindés apparaîtront? Quand ils lanceront leurs grosses machines de guerre? Je ne suis pas uniquement en train de créer des fantassins à la chaîne! Je crée quelque chose qui pourra transpercer l'acier le plus solide et réduire leur forteresse en poussière! J'ai donné vie au diable en personne. Je suis bien content de vous revoir. C'est fou ce qu'on a vécu ensemble. Berchtesgaden, la planque du Führer. Votre meilleure performance, Capitaine Jefferson. C'est ce que je dis chaque fois que je fais un deuxième trou de balle à un nazi. En plus, ces cons avaient pendu un Vermeer à côté d'un Valkenburg. Ok, c'est le même pays, mais c'est pas le même siècle, my friend. Olivia, votre travail à Neuschwanstein a permis de retrouver des milliers d'objets d'art volés à des collectionneurs français. Les nazis nous ont tout pris, tellement volés. Ces œuvres appartiennent au peuple. Et qui peut oublier les mines de sel de Merkers? Ouais, je sais ce que j'ai fait. N'applaudissez pas. Je préfère encore me mordre les couilles que de me casser le cul à ramasser vos pièces jaunes. Non, ça vaut pas le coup. C'est bien noté. Ce qui m'amène à Mittelberg. Et l'opération en cours. Docteur Fischer? Il y a 10 jours, on a reçu un dossier. Des documents sortis clandestinement par un jeune scientifique autrichien revenu du nazisme. Dedans, il indique l'emplacement d'un bunker caché, où le docteur Straub et le colonel Richter rassemblent des objets inhabituels. On n'en sait pas plus, mais ils s'en servent dans le cadre d'une sorte d'expérience. Vous n'avez aucune idée de ce qui nous attend, n'est-ce pas? Votre mission est simple.
enquêter dans leur bunker et prendre la relique. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on arrive très légèrement en retard pour tout ça? J'ai pas signé pour cette connerie. Personne ici. Mais on est là. Et vous avez une mission, tout comme j'ai la mienne. Sauver le scientifique qui a risqué sa vie pour nous transmettre ses infos. Klaus Fischer, mon frère. Moi, je suis dans les bibelots, ma biche. Pas dans les sauvetages. Bonne chance. Qu'est-ce que c'était que ça? Je vous avais prévenu que c'était pourri! Vous l'avez dit, bordel!